C'est tous très très bien. Eh bien oui, nous voici à nouveau réunis, Jean-Yves et moi. Et nous avions eu l'idée de faire, je crois qu'on l'a jamais fait. Non, je crois pas. Eh bien de faire un quiz couple. Alors on va poser des. On va poser des questions bien sûr sur notre couple. Donc pour ne pas tricher, on n'a pas choisi les questions nous-mêmes. Pour que ce soit plus neutre. J'ai donc téléchargé des questions sur le net. Alors j'en ai imprimé, mais comme j'étais en panne d'encre, j'en ai mis un peu sur ma tablette. Alors tout d'abord, bonjour. Bonjour à tous. J'ai toutes. Voilà, et toutes. J'espère que vous allez bien, toutes et tous, très bien en ce début de semaine, puisque nous sommes mardi. Tout à fait. Et nous avons du soleil. Oui, nous avons du soleil. Enfin. Il était temps, après tous les jours de pluie. Voilà, donc on va commencer tout de suite parce qu'on a quand même pas mal de questions. Oui. On va essayer d'être transparent, sincère, n'est-ce pas Jean-Yves? Oui, on va essayer. Voilà. C'est l'humour, non, oui, on va être sincère. Et on va essayer, est-ce qu'on s'autorise des jokers? Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Ouais, il ne faut pas m'abuser non plus. Non. Parce que je reconnais, hein. Pas de joker. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pas de joker. Ils ont dit pas de joker. Eh ben pas de joker. D'accord. Alors, j'espère, enfin nous espérons que vous êtes bien installés. Ah oui, c'est important. Confortablement. Malgré mon mal de gorge et ma petite grippe, on va dire. Ouais, c'est plus un gros rhume. Ouais. Voilà, gros rhume. J'ai quand même eu envie de faire une petite vidéo sympathique. Autant pour vous, nous l'espérons. Et autant pour nous. Oui, on est extrêmement content de venir pour rejoindre. Ouais. Donc moi j'ai imprimé les questions, mais je n'ai pas tout lu. Jean-Yves ne les a pas vues. Ah, j'ai rien. Donc ce sera une totale surprise pour lui. Rien. Voilà. Allez, on va pas perdre de temps parce que c'est parti. Et ben, allez. La première question. Alors voilà. Donc, je vais vous montrer pas mal de questions sur cette tablette et ensuite je prendrai les feuilles imprimées. Alors.
général, je dis que je suis pas trop d'accord, mais bon. Moi, je pense que c'est moi. Oui, enfin, bref. J'ai pas osé trop dire. T'es moque. Mauvaise réponse. Non, mais faut être franc, hein, sinon c'est pas la peine. Allez, commence à être galant. Non, mais... Moi, je te ferai pas de cadeau. Hein. Parce que moi aussi, je dépense quand même. Ouais, enfin, moi, j'y vais quand même. Ouais, mais ça. Non, mais faut être juste d'accord. Bon, là, on va dire que je t'accorde. Sinon, c'est pas la peine, hein, c'est triche. Non, mais c'est pas évident parce que. Bon, allô. Ça dépend pourquoi, quoi. Qui passe le plus de temps dans la salle de bain? Qui passe le plus de temps dans la salle de bain? Maintenant que je me tourne, hein, parce que toi. Non, mais je triche pas, là. Non. C'est bon? Ouais. J'espère que vous voyez bien. C'est dingue. Et ensuite, alors cette chanson. Faut que je fasse attention. Donc on en est à la cinquième. Donc tu te rappelleras, parce que là, je suis un peu perdu. D'accord. Parce que c'est écrit un peu. Donc la prochaine, ça sera 6 alors. Là, on va faire la cinquième. D'accord. Qui fait le plus souvent la cuisine? Alors, on va préciser. Actuellement, ces derniers temps. D'accord. Oui. Moi j'arrête tout. On peut pas rire. Non, faut être franc avec nos amis. Bon. C'est bon. Tenez-moi. Voilà, c'est très bien. Et on n'a pas répété, hein. Jean-Yves ne connaît pas les questions. Et moi j'ai imprimé, j'ai lu juste la première. Je ne connais pas non plus. Et il m'a rendu le petit bruit. Voilà. Donc j'ai bien dit actuellement, puisque lorsque Jean-Yves travaillait. Ah oui. Bien entendu, c'est moi qui cuisinais, je cuisinais pas mal, je pâtissais pas mal. Mais là, c'est vrai que ces derniers temps, je suis pas trop motivée pour cuisiner et pâtisser. Voilà. Ça me manque surtout les pâtisseries. Ouais, house. Mais elle faisait des. Comment ça s'appelle déjà là, les macarons. Ouais, je me régale. Je faisais des macarons, je faisais des choux à la crème. Et lorsque je faisais des gâteaux, je n'achetais pas les pâtes. Je faisais tout la pâte, la pâte brisée, la pâte. À choux, pas feuilleté en fait tout. Et j'ai une anecdote où mon petit-fils Mathis, j'avais fait des choux à la crème, il devait avoir 4-5 ans. Oui. Il coupait tout, il en avait partout. Ouais. Il adorait. Maintenant, et aussi les tartes meringuées. Les tartes au citron meringuées. Ouais, il adorait. Quand elles sont meringuées, et c'était de la meringue italienne. Je pense que ça s'appelait comme ça, c'était un peu plus compliqué. Mais qu'est-ce que c'était bon, mais j'ai plus de courage. C'est très fatigant de pâtisser. Ouais, la pâtisserie c'est dur, puis c'est pointu. Ouais, j'ai plus la force. Il faut avoir la santé. Hein. Alors on a dit qu'on en était à la 5. Hein. Oui, donc c'est la 6. Ah, alors celle-ci. Qui est le plus gourmand? Question, qui est le plus gourmand? J'espère que
je sais pas ce que tu as mis, je vois pas. Aucun des deux. Ah, super. Ouais, aucun des deux, puisqu'on... Oh putain, bien. Puisqu'on... On aime bien l'ordre, et on aime bien l'ordre. Tu es surpris. Moi, j'en étais sûre que t'allais mettre ça. Ah bah oui, aucun voilà. des deux. C'est notre point commun. Un de nos points communs. Ouais, c'est vrai, on n'est pas pour lui. Quoi que de temps en temps, je me la savais quand même, j'avoue. Oui, non mais... Tu es relatif. Donc, aucun des deux. Sinon, pour tout vous dire, ça serait la guerre. À part quand on a le même programme, hein, donc on n'a pas ah oui. à dire n'importe quoi non plus. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est le programme de la télé? Alors, la question 8. Qui s'endort le premier? Qui s'endort le premier? Celle-là, elle est pas dure. Excusez-moi pour la table. C'est la vérité. Voilà le temps, hein. On se débrouille bien. Voilà. On efface. Ouais, ça va bien, ça va. C'est bon, pico. Ensuite. Donc on a la 9. On en est à. Non, c'était la 9. On en a la 10. Ah, la 10, pardon. Qui fait le plus la grasse matinée? Qui fait le plus la grasse matinée? On va dire en général. En général. Ou actuellement. Je sais pas, tu me dis. Les stylos grincent. Bon, je vais quand même tourner comme a dit Jean-Yves Larisson. C'est bon. Ouais. Ouais, ça dépend, on va dire. Oui, parce que. C'est pour ça que je vais le préciser en ce moment. Ouais. Autrement. En ce moment, oui, comme t'es un peu fatigué. Voilà, mais sinon, en général. Chez moi, sauf quand tu vas à la pêche. Alors là, voilà. Je me lève à 10h, pas plus. Sinon, on fait la grasse matinée tous les deux. Voilà. Donc en général, c'est tous les deux. Ouais, voilà. On peut mettre tous les deux aussi, hein. Ok, aucun oui, des deux. On peut mettre tous les deux ou aucun des deux. Alors, on en était à de la. Donc c'est là. Alors, alors attention, on est sincère, hein. Ah bah, parce que celle-ci est très délicate. Oula, oui, allons-y. Qui engueule l'autre le plus souvent? Qui engueule l'autre le plus souvent? Ah, je vais faire comme ça, tu vois pas que je suis pas supposé tourner. Non, je me suis trompé. Je vois pas ce que tu m'as appelé. Qu'est-ce que t'as marqué? Elle, bah oui. Ouais, j'avoue, hein, je prends pas voilà. C'est comme ça. C'est pas se refaire, hein, j'ai du sang chaud. Et puis... Mélange de corse, italien, espagnol. Qu'est-ce que vous voulez que je me dise? Ah oui, c'est un mélange. Ah, puis des fois, il le mérite bien aussi. Hein. Je gale, oui. Je gale pas pour rien non plus. Hein. Oh, bah, des fois, oui, mais des fois, non. Avec le gerbe. J'ai des raisons. Hein. Ouais, bon, on va dire comme ça. Allez.
Alors, qui embrasse l'autre le plus souvent? Qui embrasse l'autre le plus souvent? Je sais pas, je sais pas si je le dis vraiment. C'est bon? Ouais. Ouais, pareil. Pareil. Mais moi, les deux, c'est la même chose. Ouais, mais tu mets les deux, c'est mieux, c'est plus. Ah, oui, j'aurais dû le mettre, ouais. Mais ça veut dire pareil. Parce que si l'autre veut pas, de toute façon. Oui. Ah bon, on est en main quand même. Alors, on en est à la ronce. Ah ah, ah ah ah. Qui a parlé de mariage en premier? Qui a parlé de mariage en premier? Oh, tu le sais, pourquoi tu souffles? C'est facile hein, quand même. Mais je voulais dire moi. Il faut oser, on a le jeu de la vérité. Si on fait comme ça, c'est tout faussé. Oh. Alors, c'est moyen que c'est toujours elle qui gueule la première, qui en gueule le plus. C'est normal. Ouais, mais là, c'est normal. Hein. Parce qu'il veut faire plaisir. On n'est pas là pour faire plaisir. Hein. On est là pour dire la vérité. On s'en pour ça. Ouais, la vérité n'a qu'un œil, hein, t'en as deux. Ouais, mais enfin, bref. Ouais, mais toi aussi, alors. On se reste là, donc voilà, j'aimerais un petit crayon comme ça, je pense.
qui ronfle le plus. C'est vrai qu'on y voit mieux. On y voit beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai que... C'est horrible. Elle vous dit pas, mais elle ronfle comme un tracteur, incroyable. Non, je ronflette. Ouais. C'est différent. Une fois, j'ai cru qu'elle s'y est dit. N'importe quoi. Tu veux parler alors, toi, c'est un tremblement de terre. La dernière fois, le chien, il a voyé à la mort. Il croyait que c'était le tonnerre. C'est la balance. C'était Jean-Yves qui ronfle. Je crois que tout le quartier doit l'entendre. C'est horrible. La chose. Il n'y a pas trop de voisins. Même en mettant les boules, rien n'y fait. Alors donc, c'est Jean-Yves qui ronfle le plus. Ouais, oui. Hélas. Qui sort les poubelles? Qui sort les poubelles? Voilà, là, c'est facile. Hein. Ouais, là, c'est facile. Excusez-moi.
c'est bon. Ouais. Voilà, c'est Jean-Yves. Ouais. Ça va. Il est chiant, ce dévasseur. Il y a des fois, il va bien. Ouais, c'est là. On dirait que ça déballe. On marque pas mal de questions. Alors, c'est pour l'année. Le plus avec les amis. Là, voilà. Alors, on en est à la question. On a fait la question numéro 20. On en est à la 21. Qui a le plus bu ce soir? Ben, c'est bon. Allez. Des mauvais souvenirs de petit, je pense.
manger parce que force d'autres choux, j'avais que ça à manger. J'ai mangé du foie, mais je l'ai fait cuire, mais presque saignant, sinon je pouvais pas. Impossible. Alors, j'en suis à ta... Ah bah ben là. Alors là, je pense que vous connaissez vous-même la réponse. La question numéro 25. Qui est le plus bavard? Qui est le plus bavard? Je crois que j'avais la réponse. Oh oui, très difficile. Ah ouais, elle va être dure à trouver. Ah oui, là, c'est... Ouh, là, 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 là. Je sais pas, ouais. Faut bien réfléchir à la réponse, c'est tellement difficile. Oui, oui, sûrement, quand même. J'ai du mal à chercher. Ouais, sois franc. Plus de fringues. Qui a le plus de fringues?
3. Ah oui, j'ai oublié. 3. Qu'est-ce que t'as mis? Ah, t'as vu ce que j'ai mis pour faire mon tour? Ah, c'est gentil. Regarde ce que j'ai mis. Un petit cœur. Gentil, hein, quand même. Ah. Ouais. T'as fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, bisous. Bisous. Voilà. Voilà. Va péter l'oreille. Je dirais pas le sketch. Pour ceux qui connaissent. Qui connaissent pas. Ah, le con, il m'a mordu. Voilà, il a dit le gros mot. Il y a des enfants qui écoutent. Complet, quoi. Voilà. Alors, donc, je sais pas, attention là, il faut être franc. Hein. Bah, je vais essayer. Qui conduit le plus mal? Qui conduit le plus mal? Disons que peut-être ça vient du fait que moi j'adore la cuisine au beurre. Je pense que ça doit jouer. Pas seulement si j'ai peut-être tendance à mettre un peu trop de beurre parfois, peut-être. Ah, un peu trop. Oh, bon, franchement, ça dégouline. Oh, t'exagères. Ah, c'est 40 fois, franchement. Bah, ça remonte. Par exemple, il va faire un gratin dauphinois, une sauce. Il y a le beurre qui remonte. C'est trop. Ah, mais c'est un peu trop, mais quand même, faut pas exagérer. Ouais, on va dire moi. Puis après lui, quoi. D'accord. Non, je suis pas d'accord, mais ça fait rien. Je cuisine très bien. Ah, mais je cuisine un tout petit peu plus que toi, quand même. Un peu plus. Ça. Ouais, mais moi je cuisine plus souvent que toi. Tu cuisines plus souvent, quoi. Bah, maintenant. Quand tu travailles. Ah, quand pas tu oui. vas, quand tu vas à la pêche, oui, c'est moi. Oui, oui, là, d'accord. Depuis tant d'années, c'est moi. Non, mais elle cuisine très bien. J'ai jamais dit le contraire. Ouais, encore. Mais j'estime qu'on cuisine pareil. Bon, aussi bien. Peut-être que je mets un peu trop d'ingrédients, que voilà, c'est tout. Sinon, la cuisine, elle est bonne. Alors, celle-ci. Je l'ai jamais empoisonné. La preuve, elle est là. Qui a le plus joli bronzage? Ça dépend.
Moi, je parlais actuellement. Elle. Ah, actuellement. Ouais. Ah, mais en général, moi, c'est toi, si tu bronzes très vite. Toi. Ouais, sinon, quand on bronze. Alors, attends. Ah, bah non, c'est bon. Bah, bon. Voilà, qui a bûché le bronzage. C'est moi. Oui, bah, c'est vrai. Il est plus. Le teint est plus. Les bras, le visage. Alors ensuite, putain, il a du mal à partir. Ouais. Ah, ah, c'est encore une question. Alors, on va dire. Ça tâche partout, le truc. Tu es prêt? Oui. On va te rouspéter encore là. Non, je rouspète pas. Qui chante le mieux? Qui chante le mieux? Ah, bah ça, c'est facile. Alors qu'il y a le rire, on lui met, on l'a dit. Ah, ça c'est facile.
qui parle le plus de langues étrangères. Qui parle le plus de langues étrangères. C'est bon. Ouais. C'est facile ça. Voilà. Moi. Ouais. Moi je ne parle aucune langue étrangère. D'ailleurs vous avez, vous l'avez remarqué. Toi tu parles anglais, c'est tout. Anglais, un peu italien, un peu l'espagnol. Quelques mots d'allemand, mais ça s'arrête. Mais l'anglais, où ça? Tu te débrouilles bien. Mais tu passes partout avec l'anglais et l'espagnol. Ouais, c'est une langue universelle. Tu peux aller partout dans tous les pays. Alors, quelle langue? Ah, qui est le plus maniaque? On n'avait pas posé cette question déjà. Non, pas encore. Qui est le plus maniaque? Casser les pieds pour nous. Quand c'est lui, je t'avais tombé de l'eau. Mais qu'est-ce que t'as fait? Oh, c'est pas grave, c'est que de l'eau, ça, ça s'essuie. Hein. Par quand c'est moi, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as foutu de l'eau partout, on va en mettre de partout. Vous voyez, pas si facile que ça. Un peu je le reconnais, je le reconnais. Ouais. Faut t'avouer, ouais. Moitié pardonne. Mais tu changes pas, tu continues. Ouais, mais on se refait pas. Je suis trop vieux. Bah, tu devrais. Je suis trop vieux. Envoyer, ouais, voilà. Ramener, envoyer,
faire tous les temps du marché, etc. Non, bah, bref. Enfin. Alors, on en était où là? Qui est le moins sportif? Oui. Qui a le moins de points sur son permis? Qui a le moins de points sur son permis? J'hésite là. Mais bon. Non, il n'y a pas de vie. Chut. Dis pas la réponse avant de la montrer. C'est bon? Ouais. Qui a le moins de points sur son permis? J'espère que vous voyez bien. Ouais, je pense. Ouais, ça va. Aucun des deux. Ouais, aucun des deux. Toi, t'en as déjà perdu des points. Ah oui, j'en ai perdu. C'est pour ça que j'ai hésité. Moi, j'en ai jamais perdu. Mais je les ai récupérés. Et à chaque fois, c'était des tout petits excès de vitesse de moins de 10 km. Ah, c'était pas ta faute pour moi. Si, si, bien sûr. C'est la faute des autres. Non, c'est ma faute. Mais j'arrive, c'est souvent la faute des autres. Mais... Bah, c'est vrai. Mais c'est parce que j'ai pas le nez sur le compteur en permanence, quoi. Mais faut... Je déteste les régulateurs, c'est merdier. Peut-être moi. Ah, parce que je t'ai pas
sûr. Moi, je suis sincère. Ah, mais je suis bon. Ouais, mais ça dépend parce que moi, je me plains aussi. Hein. Bon, je me plains peut-être un peu plus, mais. Oh, en fait, sur une échelle, un peu plus moi quand même. Ça penchera un peu plus dans mon côté quand même. Non, t'es pas d'accord? Si, ouais. Ah bon, j'ai mis moi aussi, rien. On va dire tous les deux. Ouais, parce que...
parce que des fois je pose la toux, puis je la range pas tout de suite. Voilà. On est maniaque, mais des fois. On se laisse aller. On se laisse aller. Comme tous les deux. Voilà. Ah, ça, ça pose. C'est facile là, pour moi. Qui est le plus optimiste des deux? T'as dit. Ah oui, c'est moi qui me suis trompé, je voulais dire moi. Oui, pardon. Ce que tu fais, c'est lui. Tu connais moi, plein de choses. Oui, mais t'en connais aussi. Ben, mais non, mais chacun non, son non, domaine, quoi. Non, ah, excusez-moi. Oui, en général, oui. Le plus cultivé, c'est lui. Voilà, il faut dire la vérité. Hein. Qui se lève en premier.
triche pas, regarde pas, frérot. Non, mais ça a l'air du succès. Non, j'ai dit, il reste une imposée, mais je l'ai lu, alors c'est bon. Ah bah, non, mais tu peux. Ah, d'accord. Faut que je triche pas, je suis pas comme toi, moi. Mais je triche pas. Ouais, je t'en dis peu, ouais. Non. Allez, alors, pose-la cette question. Qui s'excuse en premier? Une tortue. Non, c'est moi. T'es vrai, oui. Non, mais là, on a toujours le temps, donc c'est normal. Enfin. Qu'est-ce qu'on a après? Voilà. Je choisis pas, je regarde ce qu'on a. Ça, j'enlèverai. Pourquoi tu enlèverais? Parce qu'on a tout fait. Ouais. Ah, il y en a deux, trois. Il y en a que. Il y en a que une, deux, deux qu'on n'a pas fait dans celui-là. Je comprends, de toute façon, pour ça. Non, mais je t'assure. Ouais, ok. Alors, lors de votre rencontre, qui avait le premier pas? Ouh. Compliqué, hein. Lors de notre rencontre. C'est bon? Ouais. Ah, c'est toi. Ah bon? Ouais. Bah oui, moi j'aurais jamais osé. Puisque ouais, bah, enfin, ouais. T'étais militaire, c'est toi qui es venu vers moi avec ma soeur. Oui, mais je veux dire, pour la suite, quoi. Enfin, tu vois, ouais. J'étais timide, alors c'était pas moi. Là, tu dis n'importe quoi. Je suis pas tout content. Ouais, timide, mais elle se soigne. Pareil. Non, c'est moi le plus drôle. Ah bon? Ah, c'est toujours moi qui rigole, toi. Bah si, je rigole, des fois. Oh, je rigole pas. C'est moi la plus blagueuse, c'est moi. Bon, alors, regarde-toi. Bah oui, c'est moi, reconnais-le quand même. Je fais le clown à toi. Des fois, je peux être drôle quand même. Ouais, des fois. On a dit des fois. On a dit qui est le plus drôle des deux. Oui, bah des fois, c'est toi. Ah, tu te tournes, t'es pas en face à la caméra. Mais c'est parce que j'ai face. Attends. Il faut que je fasse. Et puis comme t'as tendance à tricher, alors je... Non, c'est toi qui triches. Moi j'ai jamais triché. Allez. Bon, les autres, on a fait. Hein. Le plus mauvais joueur. C'est gentil, regarde. Elle m'en fout. Ah, c'est mignon. Allez, on va dire à tous les deux. Tous les deux, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. On va dire que c'est tellement loin. Je crois que à l'époque, enfin, même maintenant, on partageait les courses. Voilà. C'est ça. Ah oui. Enfin, plus ou moins. Ah, tu vois, c'est pareil que nous. Bref.
dit ça, toi? Ah bon, bah, si. On n'a même pas fait réponse. Ah, ouais, les deux. Les deux. Les deux, mon neveu. Je regarde lesquels. On était jeunes à l'époque, moi j'étais lycéenne. Et toi, tu étais militaire. Je suis militaire, t'étais enfin l'étude. T'étais presque fini. Ouais, presque fini. Alors. Ah bah ça, c'est facile. Oui, non, mais je regarde si on les a pas fait, puisque là, on a fait là, ça, on a fait cordon bleu, on a fait demande de mariage, on a fait premier jour, on a fait. Alors, attends. Qui se lève le matin pour le dimanche matin, pardon. Qui se lève le dimanche matin pour le petit déjeuner? Alors, dimanche matin. Plus souvent, peut-être, je sais pas. Bah, tu dis la réponse, il faut pas la dire. Non, je dis, je sais pas. C'est bon. Allez, go. Qu'est-ce qu'il a mis? Moi? Oui, c'est vrai, j'avoue. Et c'est là surtout pour regarder son télématch et son turbo. Oui, mais elle oublie de vous dire que j'en profite avant pour aller chercher souvent les croissants et les pains au chocolat. Vrai ou faux? Oui. Ah, alors ok. Il n'y avait pas ton télématch et ton téléfoot. Ah, si, je n'y avait pas ton téléfoot et ton turbo. Si, si, je le ferai quand même. J'ai mis quoi, moi? Moi. Ouais. T'as plus smaglé. Ah oui. T'es pas gêné, hein. Elle avait raison. Il était jaune. Ah, il était jeune. Ouais, faut l'admettre. Il faut reconnaître. Une vie de célibataire qui brille. N'ayons pas peur de reconnaître. Bon, ça, on l'a poussé à peu près. Qui mange le plus, on l'a fait. Moi, ça, je sais pas. Ouais, bon. Dis la vérité, moi, j'ai le rouge, la question. Ben non, mais ça, on l'a fait, ça. Oui, d'accord. Qui contribue le plus aux charges du ménage, on l'a fait. C'est qui, ouf, c'est qui passe l'aspirateur, ouais. Tout ça. Qui mange le plus, on l'a fait, je crois. Qui quoi? Qui mange le plus. Non, on l'a pas fait, hein. Alors, qui mange le plus? Qui mange le plus? Qui mange le plus? Invitez-moi au cinéma, pas à table. Oui. Il revient cher. Ouais, mais ça, c'est un peu triste. On est à la retraite tous les deux. Bah, il y a une question qui dit qui travaille le plus. On va dire qui travaillait le plus, alors. Bon, alors, qui travaillait le plus de nous deux? En dehors de la retraite. Ouais. Moi. Ouais. Ça, c'est pas dramatique. Voilà. Je regarde avant qu'il dit comme ça, elles redeviennent des fois les mêmes. Hein. Ouais. Il y en a une qui est marrante. Voilà, pour bon, ça.
actuellement ou avant? Parce que oui, actuellement, je pense. Ok, on a changé, hein, quand même. Oui, mais maintenant. C'est bon. Ouais. J'ai mis elle. Oui, avant, je repassais beaucoup, beaucoup. C'est vrai que c'est comme la pâtisserie et la cuisine. J'ai plus la force, j'ai plus la motivation. En sachant que j'ai repassé beaucoup, beaucoup dans ma vie. Ah bah, par mon métier. De par mon métier. Puis ensuite, avec tous les enfants que j'avais pas le choix. Quand on est presseuse, repasseuse, gérante de. Ouais, de comment ça s'appelle d'imprécine, tu repasses à longueur de journée, quoi. Sans arrêt, après t'en as plus. Sans compter le détachage. Voilà. Ah. Lequel des deux prend. Ils disent lequel de vous deux prend les décisions les plus importantes. Toi, bah, rappelle-toi, je tire toujours les draps. Il y a des moments où je tirais les draps sans arrêt. C'était une pique les draps. Okay. Ouais, mais plus, oui, c'est vrai. Moi aussi, donc. Tous les deux. Ça dépend. Ça dépend. Bah, en fait, il les tire. Et puis après, moi, je les retire. C'est vrai. Donc, je tire le drap vers moi. Et lui, il les retire. Et moi, je les retire. Enfin, bah, voilà. Tous les deux. J'aurais dû mettre tous les deux. Ouais, tous les deux. Moi aussi, j'aurais dû mettre tous les deux. En fait, quand on se tire les draps. Mutuellement. Mutuellement, chacun son tour. Qu'il ait tous les draps et pas moi, et il n'y a pas de raison que moi j'ai tous les draps et pas lui. Donc, c'est un peu compliqué. Alors là, ça va être chou, hein. Ah. Qui de vous deux a le plus sale caractère? Ouf, le plus mauvais caractère. J'essaye d'être franc. Hein. Moi aussi. C'est prêt? T'as dit quoi? Elle. Et toi? Bah, tu vois, c'est ça. Tu reconnais, c'est bien. Bah, moi je suis franche, je là, moi aussi. Hein. Ah, je peux avoir mauvais caractère aussi, mais c'est bon. Des deux, c'est pas moi. Voilà. Ouais, ils vont plus rester beaucoup parce que c'est celle qu'on a tuée. Vous m'avez découverte. Qui pardonne en premier, tout ça. Ah, il y en a une qui n'a pas fait. Pardon. Question à la con. Chut, excusez-le, grand écran. Ça me fait trop rire. Qui regarde le plus, plus belle la vie. Bah, il y en a qui regardent un autre espèce. Oui, non, mais je parle, ça s'adresse à nous. Il y en a qui nous regardent là, il doit bien regarder, n'est-ce pas? Vous avez raison. Ouais, je sais pas, chacun ses goûts. Mais... Je connais pas du tout, donc je peux pas vous dire. Si, moi je sais ce que c'est, tu sais, c'est le port de Marseille là, tout ça. Ouais, là, j'ai vu l'extrait. Trois fois, ouais. C'est bon. Ouais. Aucun des deux. Aucun des deux. Moi, je vous dirais que... Moi, je vous dirais que je suis plus film américain. Oui, voilà. Film français, à part les films comiques. Il peut y avoir des feuilletons, des fois dans le temps, des feuilletons qui étaient intéressants. Des séries, maintenant, il n'y en a plus trop. Moi, j'aimais bien Louis la Brocante. J'adorais Louis la Brocante. Pour plusieurs raisons. Parce que l'acteur Victor Lannou, j'aime beaucoup. Et c'est parce que ça se passait dans les monts du Lyonnais. J'habitais Lyon à une époque de ma vie et ça me rappelait des souvenirs. Quoi. Moi j'aime pas. Moi j'aime bien les films américains, les téléfilms américains. Ça me fait plus rêver. Et étant plus jeune, c'était Vidocq, les feuilletons comme ça, tu sais, Rocambole. Vidocq, j'aimais bien. Ouais. Thierry Lafronde. Moi j'ai fait ça. C'est vieux ça. J'ai regardé, je crois à l'époque c'était avec mon père. Je crois que c'était avec mon père, je me souviens plus. Je sais que je regardais Vidocq, j'aimais bien. Ah, Vidocq c'était bien. J'aimais bien. Ah oui, ce que j'aimais bien aussi, Les Misérables. Ah, c'est joli, mais j'aime bien Les Misérables. Mais sinon, en film français, eh bien, en fin de compte, j'aime les anciens films. Voilà. Voilà, oui. Les anciens films. J'aimais bien Vent vers la Tulipe avec Gérard Philippe. Oh, c'est Gérard Philippe.
compris. Tous les films les comiques, bah, voilà. Génial. Visiteur, j'aimais bien. Voilà. Ouais. Enfin bref. Alors je regarde si ça en a fait. Qui a le plus la main verte. Ah. Question. Il n'y a pas de joker, il peut plus tricher. Hein. Non. Qui des deux passe le plus souvent de temps aux toilettes? Toilette. Oui, je sais. J'ai compris, c'est pas la salle de bain. Alors, qui passe le plus de temps aux toilettes? Oh, ça, c'est une question, ça dépend. Merci, on va dire une bêtise. Ah, et puis, bah, allez, en général, on va dire. Allez, go. Ouais. Le menteur. Quoi? Elle? Non, pas plus que... Ah, t'es trop, toi. Je sais pas ce qu'il faut. Moi, je... Attends, si ça passe plus de temps. Je pense qu'elle doit prendre un bon bouquin. Elle doit lire en cachette, ouais. Oh, t'es dans des bêtises. Tu passes du temps aux toilettes. Je passe du temps. Ah, la même fois, je dis que c'est endormi, quoi. Oh, c'est hypocrite. Mais non, parce que moi je trouve que c'est... pas vrai, tous les deux, on a le côté comme ça. Allez, question suivante. Ah, là, je peux en mettre encore une ou deux, puis après, il y en aura plus. Je sais comme ça reconnaître. Ah non, qui a le plus de défauts de nous deux? Qui a le plus de défauts? De vous deux. Parle si je chante. Qui a le plus de défauts de nous deux? Défaut. Alors, soyons francs.
ça, ça intéresse les abonnés, ça, de savoir si on est génial ou pas. Alors, qui est le plus diplomate des deux? Elle te plaît cette question? Oui, elle est très bien. Oui. Qui est le plus diplomate des deux? Vous avez un avis? Ouais, allez. Oui, ouais. C'est vrai. Eh ben, oui, et après, il y a une dernière question. Donc ça, c'était nos questions personnelles. La question personne. Un petit truc en plus. Après, dites-nous en commentaire si ce thème de vidéo, ce format de vidéo vous plaît. Ah oui, regardez, même un jeu, quelque chose. Voilà. Et si jamais il vous plaît, on pourrait se poser mutuellement des questions. Par exemple, connais-tu notre date de mariage? Ou eh oui. Combien j'ai les gens, ils l'ont proposé. Oui. Non, mais c'est nous contre ah, ce question. Pour savoir si on connaît bien notre partenaire. Là, c'était pour savoir si on connaît bien notre couple. Mais ensuite, on fera des questions pour savoir si on connaît bien l'autre. Si ça vous dit, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Voilà. Et dernière question de ce petit instant partagé. La question est simple. Il nous demande qui a été le plus honnête de dans vos réponses. Et bien, à qui vous occupez. Voilà.
je vais laisser là, tirage à Jean-Yves vous dire quelques mots de revoir. Ah oui. Est-ce que je crois qu'il a envie de parler là. Comme non, mais je dis comme je vais comme toi. Donc et comme Margot et maintenant moi désormais, nous vous le recommandons. Surtout, bah vas-y, tiens, un petit peu toi. De bien prendre soin de vous. Et des autres que vous aimez. Et des personnes. Et des personnes, pardon, des êtres. Pourquoi j'ai dit autres? Et des êtres que vous aimez. Voilà. Et surtout, n'oubliez jamais de leur dire combien vous les aimez. Voilà. C'est un rappel que Jean-Yves a beaucoup fait. Et... Oui, j'aime bien parce que je trouve ça chouette. Elle a raison, puisque le temps passe très très vite. Voilà, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Voilà, on ne veut pas non plus. On a bien souri. On va pas. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, bonne matinée, bonne journée. Tout dépend à l'heure à laquelle vous visualiserez cette vidéo. Mais quel que soit eh bien, le moment de la journée ou de la nuit, eh bien, reposez-vous bien, déstressez-vous bien. Moi aussi, je suis descendu. Ouais, Jean-Yves est descendu tout de même. Je suis beaucoup plus grande que lui. Oui, grande porte. Ouais. Donc voilà. Voilà qui porte les chouettes, la preuve. Voilà, la preuve est faite. On vous embrasse très fort. À bientôt les amis. À bientôt.